Pas tellement l'impression qu'il s'est vaincu, mais c'est surtout que on est allé chercher cette finale et à chaque victoire, il faut la fêter, c'est normal, il faut laisser évacuer sa joie. Bien joué Nico, fait. C'est la finale. Fils qui va centrer peut-être, Lifeis, combinaison, sans retour chez Lifeis. Voilà, Waity. Oh, c'est une belle frappe! Oh, quel but de Selim Amala! Incroyable cette frappe, Fred! Ouais, il prend possession avec son pied droit, il s'oriente vers son pied gauche, et une très bonne frappe. Frappe ouverte. Un contrôle vers l'avant qui fait que voilà, je tente une frappe. Je suis aux abords de la surface, donc voilà quoi, j'ai retenté. L'arbitre laisse jouer pour l'instant, Moussona sur la barre. Quand on voit nos derniers matchs, un peu la malchance qu'on a eu aussi et que la balle est allée sur la latte, là je me suis dit que la chance justement tournait un peu et j'étais assez confiant concernant l'issue du match. Que ce soit ce match-ci ou les matchs précédents, je pense que les adversaires aiment bien me mettre des coups. Donc maintenant, ça devient une habitude pour moi. J'essaie d'être fort dans le duel. Mais voilà, c'est vrai que chaque rencontre, j'ai des bons concurrents. En étant en demi, on a tout fait pour se qualifier pour la finale. Je pense que c'est ce qui peut, on va dire, un peu nous sauver de cette saison. Mais voilà, on va pas se concentrer directement sur la finale. Il y en a des matchs de championnat qui arrivent. On va les jouer à fond. Je pense qu'on a, on doit jouer ces matchs à fond. Et voilà, on va essayer de prendre le maximum de points en championnat aussi. On forme une vraie équipe et quand on met de la grinta, de l'envie et qu'on va dans les duels, on voit qu'on est performant. Je pense que si on veut marquer de son empreinte, il n'y a que les titres qui comptent.